Trouve une position confortable. Soit assis, soit couché. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, de la cervicale jusqu'au coccyx. Détends le ventre et toutes les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses derrière des cuisses, genoux, mollets, tibias, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe la vitesse et la puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin ou il y a une variation, un changement? Prends note. Sans changer quoi que ce soit, pas encore. Observe la longueur des pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Est-ce qu'un des deux pauses est plus longue par rapport à la deuxième ou les deux ont la même longueur? Observe. Deviens témoin. Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long. Encore trois respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et crée une respiration qui ait la même longueur, inspiration et expiration. Respiration longue,
lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente, contrôlée mais confortable, même longueur, inspiration et expiration. Crée une respiration qui soit constante du début jusqu'à la fin. Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, prends de nouveau le contrôle de ta respiration et rends ton expiration plus longue de l'inspiration, jusqu'au double de la longueur de l'inspiration. Garde toujours une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Expiration, l'angle double de l'inspiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore trois respirations à ton propre rythme. À la fin de la troisième, reviens à une respiration libre, décontractée et observe la sensation de calme et de bien-être qui s'est installée en toi après cette technique de respiration. Observe ton corps. Observe la détente, le bien-être, la paix. Tu es dans ton endroit de paix. Commence à observer ton endroit de paix. Commence à observer chaque aspect de ton endroit de paix. Observe les couleurs. Observe les éléments de ton endroit de paix. Est-ce que ton endroit de paix est un endroit réel ou onirique? C'est un endroit connu ou pas encore? Observe. C'est ton endroit de paix, c'est ton endroit à toi. L'endroit où tu peux te détendre complètement. L'endroit où tu es en sécurité.
l'endroit où rien de négatif peut arriver. Observe chaque petit aspect. Devant toi, il y a un petit chemin. Tu te sens appelé à prendre ce petit chemin. Et donc, un pas après l'autre, tu commences à marcher. Tu marches le long de ce chemin et autour de toi, il y a plein de petites collines. C'est un endroit très vert, très humide. Très joli. Même la démarche est différente par rapport à les chemins que tu parcours normalement, d'habitude, dans ton endroit de paix. Parce que le chemin, petit à petit, devient tellement petit qu'il va disparaître. Mais tu continues à marcher. Même si maintenant, tu marches comme sur une mousse. Tu ne glisses pas. Mais c'est une démarche très douce, quasi amortie, gentille. Tu continues à marcher sur cette mousse. Et petit à petit, tu t'approches à une petite forêt. Une forêt très dense, là aussi très humide. Mais étonnamment, la température est juste parfaite, agréable. Ni trop chaude, ni trop froide. Il n'y a pas de chemin. Mais tu te sens complètement en connexion avec cette forêt. Et grâce à ça, tu arrives à te faire un chemin. Tu arrives tranquillement à avancer dans la forêt. La mousse est au sol et aussi en partie sur les arbres. Il n'y a pas de bruit.
Même s'il y a des mouvements, même s'il y a des animaux autour de toi. Tu continues à marcher. Et là, la forêt, il commence à s'éclaircir, à s'ouvrir. Le chemin, la démarche est de plus en plus agréable, de plus en plus simple. Tu ne sais pas où tu es en train d'aller, mais tu te sens appelé à continuer. Et là, tu te retrouves devant un gros caillou blanc, complètement blanc. Tu observes cet caillou et tu le trouves très lisse. C'est comme du marbre blanc. Le blanc de cet caillou est très en contraste avec le vert de tout autour de toi, de la mousse, des arbres. C'est comme si cet caillou blanc donnait de la lumière à toute la forêt. Tu t'assois à côté de cet caillou. Tu mets une main contre le caillou et tu te rends compte que le caillou est chaud. Tu es assise à côté du caillou. Tu te sens bien. Tu te sens protégé par la forêt. Mais il y a aussi quelque chose d'autre ici. Tu te sens vraiment bien. Et là, petit à petit, commence à pleuvoir. Mais la pluie qui commence à tomber, ça ne te dérange pas du tout. Cette eau qui tombe du ciel, là aussi, est chaude. Comme une petite douche agréable. Tu ouvres les yeux et tu te rends compte que la pluie qui tombe est colorée. C'est comme si une douche bleue tombait du ciel. Même le caillou à côté de toi, maintenant,
a la même couleur de la pluie. Mais garde la lumière, l'effet de cet caillou blanc et de la pluie bleue sont à couper le souffle. Plus l'eau tombe et descend le long du marbre blanc, plus tu te sens bien, tu te sens fort, tu te sens ressourcé, tu te sens en sécurité, tu te sens vraiment bien. Tu te sens en pleine santé. Cette eau te ressource. Et tu profites au maximum. En restant à côté du caillou. Petit à petit, la pluie diminue. Jusqu'à arrêter complètement. Tu es toujours à côté du caillou. Mais là, tu sens même le soleil te chauffer de plus en plus. Après quelques instants, ta peau est complètement sèche. Tu te sens légère, tu te sens bien. Tu te sens ressourcé. Petit à petit, tu te sens tellement légère, tellement bien, que tu commences à flotter. Même à voler en haut, dans le ciel, plus haut des arbres, de là-haut, tu peux voir ton endroit de paix. Tu peux voir chaque petit aspect de ton endroit de paix. Libre et légère.
Profite encore pour les derniers instants de cette vol en haut dans le ciel pour revenir là où tout a commencé. Utilise les derniers instants pour observer les sensations qui t'ont reçu aujourd'hui. Quand tu te sens prête, inspire profondément et expire en soupirant pour 3 fois. Là, à ton propre rythme, quand tu veux, ouvre très doucement les yeux et reviens dans le ici et maintenant.